Je me demande qui c'est ce mec là-bas au loin. Il fait un peu flipper, non? Salut à tous, ici Gaius. On poursuit notre aventure horrifique sur The Callisto Protocol, donc c'est parti. Ouais. Ah non, c'est notre pote. D'accord. T'as vu ça? Vu quoi? Hé hey. Il n'a rien. On devrait continuer. Il perd la boule. Verrouillé. L'ascenseur est droit devant. Il devrait nous amener à la tour. Ok. Bon, je suis certain qu'il va tomber. Ou il va se passer un truc. On accélère. T'as peur, hein? T'as peur? T'as peur? Non? Ouais, c'est quoi ça? Ouais, j'ai eu peur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La dernière chose dont je me souviens, c'est ces robots qui nous ont attaqués. Bah, en fait. Alors, nous aide à trouver un remède. Et tu lui fais confiance? J'ai non. Pas le choix. Déverrouiller. Waouh, c'est stylé, hein? Eh bien. C'est quoi tout ça? C'est certainement pas le JC. C'est qui alors? Oula, y a du sang. Ça, c'est trop beau, ça. Vous voyez un petit peu tous ces détails, ces particules à l'écran. La cocotte sur le feu. Enfin, voilà, tout est... Franchement, je trouve ça trop stylé. Vous êtes maintenant dans les souvenirs de Danny. Ah. Vous pouvez voir ce qui s'est vraiment passé sur vous. Un échantillon provenant d'un de nos laboratoires. Tragédie qui a inspiré tout ce que Cole fait ici, à Black Iron. De quoi tu parles? Jacob, tu vois? Est-ce que tu vois? Jacob, qu'est-ce que t'as là-dedans? Ce qu'on a ne nous regarde pas. Allez, on a un contrat à remplir. C'était notre faute. Je suis désolée. J'ai essayé de te protéger. Tu méritais pas ça. L'Europe n'était pas une attaque terroriste. Ils ont trafiqué les images pour cacher ce qu'ils prévoyaient de tester à Black Iron. Et la cargaison qu'on a transportée a joué un rôle à chaque fois. J'aurais pu arrêter ça. Mais je l'ai pas fait. T'as fait un mauvais choix. Comment est-ce que tu comptes arranger ça?
Je peux pas. Tu peux. On y est presque. Non. Je peux le sentir. L'entendre. Dans ma tête. Ok, reste ici. Je reviendrai quand j'aurai le remède. Je peux me débrouiller. Fais-le payer pour ce qu'il a fait. Ok. Alors, est-ce qu'on a... Donc elle a perdu sa fille, d'où la vendetta. Est-ce qu'on a la possibilité de... Ouais, il y a une station ici. Pour récupérer peut-être de la vie. Est-ce que c'est le combat final? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais... Impression UJC, passer une journée unique. Ah, 2000, c'est dommage. Je vais voir si j'ai pas un truc à vendre. Si. Si. Bingo. Alors là, je peux me faire plaisir. On va faire ça pour avoir un maximum de dégâts là-dessus. Exécution. Impression terminée. Formidable. Voilà. Alors, pour le reste, je pense bloquer, inflige des dégâts à l'ennemi qui attaque. Ça, c'est pas mal, ça aussi. Ça, c'est pas mal, mais on peut pas... 1003, 600, plus de dégâts de l'arme, d'accord. Le gant peut-être, non. 1002 stabilité, non, je m'en fiche un peu de la stabilité, je veux des dégâts, moi. Ouais, la mitraillette. Je préfère le pistolet. Je préfère le pistolet. Voilà, et je vais prendre un kit au cas où. Voilà, un kit de soins. Voilà, et là, je regarde combien j'ai de soins, j'en ai deux. Bon, on va partir comme ça déjà, peut-être qu'on trouvera autre chose. Ouais. Ok, fusil, ouais. Là c'est quoi? Voilà, du soin, c'est parfait. Très bien. Alors il faut faire un maximum de mun là. Alors, je comprends pas pourquoi il y a des trucs explosifs. Je sais pas s'il va me courir après ou pas. J'ai l'impression que oui, mais du coup on va pas tout récupérer. Non, je voulais pas récupérer la vie. Alors, on récupère les munes, plus on a de munes mieux c'est. Il est où le mec? C'est là? Que j'ai loupé? Non, c'est de la vie, on va la laisser pour l'instant. Non, c'est ça. Ah, c'est ici, d'accord. Vos méthodes sont imprudentes. Vous prenez beaucoup de risques. Le plus grand risque est de ne pas agir. Surtout quand le bien commun est enfin à notre portée. Oh, c'est quoi ça? Hé et... Pile à l'heure. Il approche. Le survivant. Le survivant. Vir Salatarius. Vir Solidarius. Où est l'alpha? Donnez-moi ce putain d'antidote! Je vais pas la laisser mourir! Votre ami. Je vous ai observé. J'ai étudié votre dossier.
Vous n'êtes pas l'innocent que vous prétendez être. Vous avez prouvé que vous feriez n'importe quoi pour assurer votre propre survie. Et vous alors, hein? S'amuser à regarder les gens mourir, c'est ça votre protocole? Non, vous vous trompez, Monsieur Lee. Le protocole n'est pas une question de mort, c'est une question de vie. Notre avenir nous attend là! Notre destin! Mais l'espace nous est toujours hostile. Cette fragile coquille, elle nous retient. Nous devons évoluer, si nous voulons survivre. Et maintenant, vous allez tous savoir pourquoi! La preuve que mes méthodes en valent la peine! Une dernière épreuve pour déterminer le véritable survivant! L'humanité! Ah ouais, je savais qu'il était pas mort lui. What? Ça alors, 5, 2, 1, sais-je, je voudrais te remercier. Au début, je pensais que c'était une malédiction. Mais j'ai compris que c'était un don. Il est enflé de partout. Directeur, ouvert les cieux. Montrez mon but. Et maintenant, je voudrais te le montrer. Il faut courir là. Analyse un petit peu le comment ça se passe. What? Il court, hein? Il court. What? Thank you.
se transformer ou pas, lui? Un peu de vie là. Je trouve un peu de vie. Ok. On se casse. Aïe. Non, là je mourrai. Mal. Ces attaques font trop mal. Bon, ça va. Ok. Mets-lui une grenade dans la bouche ou un truc comme ça, mais... Sinon il va revenir là. Tiens bon, Danny. Vous pensez nous avoir vaincus. Ferris était faible. Un vaisseau imparfait. Cet échantillon est la clé pour débloquer un rêve vieux de plusieurs siècles. Ce n'est pas un échec, Monsieur Lee. C'est le progrès. Et il m'appartient! Non. Non, non, non. Je ne crois pas. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment de jouer au héros. Laissez l'échantillon et partez. Il y a une capsule de sauvetage là-haut. Pour vous ramener à la vie que vous aviez, vous et moi pouvons avoir tout ce que nous voulons. Alors, dites-moi, Monsieur Lee, que voulez-vous? Je vais vous dire ce que je veux. Je veux revoir ma sœur enfoirée. Un effort courageux. Mais vous le savez sûrement, je ne perds jamais. Non, il y a toujours une première fois. Quel gâchis. Tout ceci pour sauver une vie. Ne pensez pas à nous avoir arrêtés. Les données recueillies ici permettront au protocole de passer à la phase suivante. Quant à vous... Séquence d'autodestruction initiée. Adieu, Mademoiselle Nakamura et Monsieur Lee. J'espère que vous avez apprécié votre séjour à Black Iron. Comme du réacteur. Allez, viens! Les capsules sont par là! Ok, donc c'est le moment de se tirer. Cours! Il va très certainement y avoir des monstres là. Ou pas, je ne sais pas. Dépêche-toi! Allez, continue! Faut rejoindre les capsules de sauvetage. On y est presque! Ma cul. Mince. Vas-y, prends-la. Il n'y en a qu'une. Il va se sacrifier, je pense. Ma place est ici.
Ne fais pas ça. Jacob! A fonctionné dans les deux sens. Il en a appris plus sur moi. Et j'en ai appris plus sur lui. Dans le chaos du moment, je n'ai pas compris qu'il m'avait aussi donné la preuve que je cherchais depuis le début. Et qu'il a sacrifié sa vie pour que je puisse exposer la vérité. Essayait-il de se racheter pour la douleur qu'il a causée? Ou était-il juste en quête d'une sorte de rédemption? En tout cas, j'espère qu'il a trouvé la paix. Allez, je pense que c'est pas fini. Il y a peut-être une chance de se tirer de là. Jacob, il y a peut-être un moyen de s'en sortir après tout. Ah bah voilà. Mais je vais avoir besoin de votre aide. Non! Ne dites pas que c'est terminé! Ça peut pas se finir comme ça! Ah bah si! Ok, et de retour au menu principal? Ben mince! Il manque un bout du jeu, là, j'ai l'impression. Je comprends pas. Me dites pas qu'ils vont foutre ça en DLC. Ce serait... Enfin, ce serait fou, quoi. En plus des bugs, ils mettent la fin en DLC. Je suis étonné, vraiment, J'ai pas les mots. Mais elle est où, la fin, normalement? Enfin, normalement, il doit se tirer. Moi, je me suis dit, bon, peut-être, ok, s'il se sacrifie, peut-être qu'il y aura un Callisto Protocol 2, où on jouera, donc, Dina qui s'est échappée et qui va essayer de faire éclater la vérité. Mais là, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire. En tout cas, bah, on arrive à la fin. Merci en tout cas d'avoir suivi ce let's play. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Même si le jeu vous a pas plu, bah, écoutez, dites-moi, voilà. Le jeu est mauvais. J'accepte toutes les critiques, en tout cas. N'hésitez pas aussi à me dire si, voilà, l'intonation de la voix, tout ça, etc. Est-ce que tout est bon? Est-ce que, voilà, est-ce que la présence vocale est suffisante ou pas? Parce que comme j'ai pas en fait, encore l'onglet communauté, je ne sais pas exactement ce... Voilà, je vais un petit peu à tâtons, je ne sais pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, donc je fais en fonction de ce qui me paraît le plus logique et le plus sensé, et puis voilà, j'essaye de faire au mieux en tout cas. Merci d'avoir suivi l'épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, la cloche de notification, parce que d'autres let's play arrivent, hein, bien sûr, d'autres sorties, c'est chargé en ce mois de décembre, et bien sûr, au niveau du mois de janvier, il y a énormément de jeux qui vont arriver. Donc, merci de rester connecté, et à très vite.